tisane, ben voilà, deux colis. Un qui vient de chez AliExpress et un qui vient de une youtubeuse qui s'appelle Dan. Je vous mettrai en barre d'infos leur sa chaîne YouTube. Elle m'a envoyé des petits lots. J'enlève ma date. J'ai oublié d'enlever enlever mon adresse, pardon, excusez-moi. Je cherche. Et là, ici, c'est pareil. Excusez-moi. Hop, j'enlève. Il n'est plus marqué nulle part. Alors, ici, c'est pareil. J'enlève. Là, j'enlève l'adresse de cette dame. Mais avant, je vais prendre son adresse et je vous reprends tout à l'heure. Comme j'étais pressée, je viens de les recevoir. Nous, elle passe vers 2h l'après-midi. Et puis bon, je pense que ça a dû être déposé dans ma boîte aux lettres par le facteur ce matin. Alors voilà, nous sommes bon, je sais même plus. Mardi 15, je crois. Oui, c'est ça, mardi 15. Et je vais ouvrir d'abord celui de AliExpress et on ouvrira celle de son colis après de Dan tout à l'heure, juste après. Voilà. Alors, AliExpress. J'ai fait quelques commandes. Je pense que oui, il y a plusieurs colis dedans. Voilà. Alors, il y en a 1, 2, 3, 4. Et un 5. Bon, dessus, il y a tous mes numéros de téléphone, il y a tout ça. Bon, ben, je vais effacer. Ouais, je suis à la moitié shooté avec ce marqueur. Bon. Hein, effacer toutes ces adresses. Ils sont forts. Hop, alors, le premier. Qu'est-ce qu'il y a dans le premier? Je n'ai pas bien. Alors. Bon, je l'ouvre un peu plus. Comme une fois, j'ai déjà découpé dedans. Ah, c'est des stylets. Voilà, c'est 6 stylets. J'ai 2 roses, 2 blancs et des bleus, mais avec un embout anti-fatigue. Ici, voilà. Parce que les embouts, bon, j'ai une amie qui m'en a donné, les embouts en plastique, comme ceci, regardez, et je l'ai changé il n'y a pas longtemps, ça s'abîme très très vite en plastique. Vous voyez? Alors là, j'en ai pris avec des embouts, oh, je me suis mis du marqueur partout sur les mains, anti-fatigue avec de la ferraille au bout. Bon, voilà. Je vous en dirai des nouvelles. Voilà. Bon, je pense que ça sera mieux que le plastique. Ça s'abîmera moins vite. Le deuxième. Ben, c'est beaucoup de stylés. Hein. Vous savez que j'en fais une collection. Si je dis que je peux en prendre, ben, j'en prends. Alors, vous voyez, c'est un. Voilà. Et moi, j'ai toujours pas fait mes ongles. Là, ils se sont allégés. Ah non, c'est même pas. Ah, je crois que c'était un stylet. Bah si, là, c'est pour les. Ah. J'avais pas vu qu'il y avait ça au bout. Attendez. Je vous montre. Alors, ici au bout, vous avez un embout pour prendre les perles. Et vous avez de l'autre côté un embout avec des multicolores. Alors, est-ce que c'est le stylo? Non, c'est juste une déco. Oui, c'est juste une déco. Mais je crois que c'est une déco. Attendez, je regarde à l'intérieur. Ah non, il y a des stylets, regardez. Des stylets, des stylos. Ah. Alors. Comment ça fonctionne, ceci? Là, c'est pour... on enlève, alors. Ah oui. On enlève l'embout. Hop. Vous voyez? Et après, on s'en sert de stylo. Voilà.
Oh, c'est sympa, j'avais pas vu. Je pensais que c'était juste un petit stylet, moi. Bon, un petit plumard, hein. Ça va être sympa. C'est vraiment sympa. Hop, on referme. On va pas perdre le bout. L'embout. Hop. Et voilà. Bon, bah, je pense qu'il va s'enlever facilement. C'est dommage. On verra quand je m'en servirai. Mais je sais même pas si je vais m'en servir un jour. Voilà. Multicolore. Vraiment sympa. Alors, après, nous avons. Qu'est-ce que c'est que celui-ci? Alors, ah oui, j'ai repris. Hop, il y en a deux dedans. Alors, ici, c'est pas si vous voyez bien. Voilà. Alors, avec un petit papillon. Voilà. Une petite. Et au bout, c'est un stylet. Pareil. Mignon celui-ci. Avec tous les socles que je vais faire, je pourrais les mettre en collection. Après, nous avons celui-ci que j'ai pris. J'ai trouvé tout sympa. Alors ici, c'est une mouche, mais on peut écarter. Ah non, un papillon. Je croyais que c'était une mouche. Non, c'est un papillon. On écarte ses ailes. Hop, voyez. Et ça se replace. Voilà. Et c'est un embout, pareil, pour stylet collier. C'est un stylet. Et à l'intérieur, vous avez plein de petites perles. Oui, c'est plein de petites perles à l'intérieur. Voilà pour cela. Maintenant, il en reste encore deux. Et nous aurons celui de Dan à ouvrir aussi. Et j'attends aussi un colis du partenariat Gutfeld, normalement qui devra arriver aussi aujourd'hui. Il y aura peut-être deux unboxings, je ne sais pas, je vais voir. J'essaie de pas trop, parce que ça a l'air comme j'ai coupé dedans. Alors ici, ah oui, ça c'est une boîte à cigarettes, ça c'est pour Gladys qui l'a commandé. Et bien, mettons comme elle fait du German Painting, parce que ça fait un moment que je l'attends celle-ci. Hein. Ils m'ont remboursé, j'ai dû recommander, puis là ben, je l'ai reçu. Mais comme elle fait du German Painting, maintenant, c'est elle qui va faire un Gladys. Voilà, tu as du travail. Je te le mets de côté. Alors, ici. Ah, j'ai pas reçu. Il me manque un article. Je crois que c'est là-bas. Je l'ai vu chez aucune youtubeuse. Je le vois pas. Alors celui-ci, vous avez dû le voir sur quelques-unes des chaînes. Alors, ici. Ici, c'est un plateau. Voilà. Alors, vous voyez, c'est un plateau. Je pensais qu'elle allait être en bois, mais non, non, c'est de la mousse. Ouais, j'ai pas lu la description. Ben, voilà. Un peu déçu que ça soit de la mousse. Alors vous avez quatre barquettes ici. Hop. Et ici vous avez pour mettre vos. Ah bah ici ça va être. Ça va être juste. Hein. Ça va être juste. Non, il va être trop grand, mais bon. Voilà. Et là, ils vont être tous vos stylets. Comme ça, je pourrais mettre mes nouveaux stylets dessus. Et puis. Et vous avez les quatre barquettes avec. Mais je pensais que ça aurait été en bois. Non. C'est en polystyrène. Bon, là c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Mais bon, je m'attendais à mieux, je sais pas, je voyais ça autrement. Mais bon, comme ça je mettrai les plus gros quand j'ai beaucoup de diamants à faire, qu'on est à poser pour une couleur, et ben, je mettrai ça dedans. Alors, ici, on y va, on va ouvrir. Alors là, je pense qu'il faudra le cutter. Le cutter, il est là. Alors, comment on ouvre ceci? Voilà. Ah. Voilà.
Hop. Pour toi. On va ouvrir sa petite carte. Waouh. Déjà, elle est très très jolie. Petit cadeau pour toi. C'est vraiment joli, joli, joli. Hop, je pousse un peu le carton. Vous voyez? Vraiment joli, joli, joli. C'est elle qui l'a fait. Alors ici, qu'est-ce qu'elle nous marque? Alors, youtubeuse Dan Décomin. Non, J.D. Décomin. Facebook, elle me met tout ce qui est... voilà, d'accord. J'aime le bleu et c'est dégradé. Le vintage, l'art, la marche, les oiseaux, les nouvelles activités nouvelles. Bonjour, voici ce que j'ai jeté, ce que j'avais promis. Tu en as pour plusieurs. Loto, c'est des lots pour nos lotos qu'on fait sur le groupe Diamond Painting, Loto Bingo Diamond Painting. Tu gardes ou tu redistribues comme te semble, comme bon te semble. Oh là là, j'arrive plus à lire. Avec plaisir. Oh non, je vois pas ce qui est marqué au bout. À tous, plus bon d'épée, il y en a pour tous les goûts. J'adore les lotos, mais pas toujours le temps de participer. Je te fais de gros bisous. Dan. Voilà. Voilà, mais très très jolie sa carte. Ben, celle-ci, elle va être accrochée avec l'autre carte que j'ai eue d'une abonnée. Alors ici, qu'y a-t-il dedans? Waouh! Ah oui, ah oui, je ne sais pas si vous voyez, mais waouh! Ah, vous avez de la chance, les abonnés. Vous avez de la chance, les abonnés. Non, les abonnés des lotos du dimanche après-midi. Pardon, je vous mets ça devant, ça ne va pas le faire. Pour les lotos du dimanche après-midi, vous avez vraiment de la chance. Oh là là, la jolie boîte. Et dedans, il y a des trucs en plus. Regardez ceci. Elle a une boutique, hein, sur Etsy. Elle a une boutique. Attendez, hop, je vous place correctement. Voilà. C'est magnifique. Regardez-moi cette dentelle. Et j'ai l'impression que ce qu'il y a autour, c'est du crochet, c'est du fait main. Ah, c'est du fait main. Vraiment joli, joli, joli. Ah oui. Alors ici, dedans, nous avons des stylés. Elle a fait une vidéo il n'y a pas longtemps, je l'ai vue. Sa vidéo avec des... C'est avec... avec de la corde. Et c'est vraiment joli, regardez. Il y a du vert, du blanc. Et au bout, elle met... et c'est distillé pour faire du diamond painting. Après, nous avons cette couleur très jolie, multicolore. Et elle a fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Comment ça fonctionnait, les stylés. Comment faire pour faire des stylos à base de cordes au bout. Et au bout, elle met des petites breloques. Là, c'est une boîte de Noël. Ici, dans l'autre, c'est un elfe. Et l'autre, c'est une cloche. Quoi, des cloches. Voilà. Ah, vraiment joli, joli. Merci beaucoup, Dan. Alors, ici, après, elle nous a fait des stylés. Alors, ici. Ben, je te remercie beaucoup, beaucoup, Daniel, Dan, de ce joli geste de nous offrir des lots pour nos lotos. Et là, tout est en velours. C'est des stylés en velours. Vous avez l'embout ici de 1 et là, c'est des embouts de... Je crois que ça doit être de 10, là. Là, vous en avez un rouge. Ben, là, ici, quand même bordeaux, plus bordeaux que rouge. Là, ici, c'est un rouge. Mais tout en velours. Et bien, pareil. Hein.
Après un bleu avec un embout de 3, je crois. Attendez, je regarde. Oui, de 3. Après un marron. Après, là, c'est de la. Pour, ben, c'est pour. C'est à base de. On appelle de tissu, là. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, ici, les. Ah, il est marrant celui-ci. Alors, ici, après, vous en avez un vert, vous avez l'embout. Et l'embout, ici, il est un peu. Comment vous expliquer? Un peu incurvé, un peu arrondi. Ouais, c'est. Ouais. Sympa, j'ai jamais vu celui-ci. Après, ben, vous en avez un rose avec du tissu, qu'on dirait de. Pas de déco, hein, de. Je sais pas comment ça s'appelle. Et un beige. Voilà. Oh, super, super joli. Puis l'autre boîte, elle est magnifique aussi. Hein. Waouh! Elle a sa petite boutique. Alors, si vous allez sur sa chaîne YouTube, je pense qu'elle doit mettre en barre de description aussi le nom de sa boutique, tout ce qu'elle fait. Vraiment, vraiment joli. Et encore merci, merci. Les boîtes sont magnifiques. Alors ici, la deuxième boîte. Alors ici, vous voyez, bah pour une naissance, pour c'est vraiment, vraiment joli, joli. Regardez tous les détails. Waouh. Là, les fleurs. Ouais, vraiment, vraiment joli, joli. Non, c'est bien fait, c'est bien travaillé. Non, non, c'est une très, très bonne idée. Bon. Qui a-t-il? Ah oui, c'était. Alors, c'est une boîte où on range nos. Des petits outils. Alors, oh là 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 là. Elle nous a mis ceci dedans. Alors, c'est des bougies qu'elle a décorées elle-même. Vous voyez, avec un petit nœud ici devant. Je ne vais pas les ouvrir. Hein. C'est vraiment, vraiment beau, beau, beau. Après, nous avons une rose, pareil, hein, en rose, c'est une bougie. Vraiment très très joli. Après, nous avons couleur de Noël, vert et bordeaux un peu. Non, non, très très joli. Ben, encore merci, puis je vais faire voir l'intérieur de la boîte. Vous voyez, là, ici, on les avait sur l'autre en bas. Et là, on les a en haut. Après, nous avons. Je pense que c'est. Pardon. Des bijoux. La boîte, on dirait qu'elle s'est ouverte. J'ai les perles qui sont enlevées. Alors, ici. Voilà. Oui, c'est un bijou. Elle fait des bijoux aussi. Oula. Oui, c'est ouvert. Oula. Je fasse très attention. C'est en train de. Oh là là, ça part sur mon DP. Ils sont tellement fines. Je ne sais pas de où ça s'ouvre. Oh là là, oui, ça s'est ouvert. Ah, tout va rester collé sur ma toile. Oh là là. Oui. Alors, je suis désolée, hein, mais. Alors, ils vont en avoir plein partout. Heureusement qu'on brosse nos toiles après. Voilà. Voilà, c'est très très fragile. Hein. Voilà ce qu'elle nous a fait. Avec des bandoulières de cuir. Ah, voilà. Elle nous a fait un pendentif. Ici, nous avons bah, des breloques. C'est très très joli. Alors après nous avons l'ouverture à base de d'aimant. Là. Très très joli. Bon, il y a plein de petites perles. Comme ça c'est ouvert, ben, c'est pas grave. Il y en a plein qui se sont collés sur le plastique, la fermeture du plastique. Ça a collé dedans. Hop. Bon, je rangerai après. Après, nous avons
un médaillon, oui, comme ceci. Après, vous pouvez coller bah, une broche. Vous pouvez faire. Ah non, il y a un anneau ici, je ne l'avais pas vu. Voilà, vous pouvez faire en pendentif. L'anneau est en haut. Voici. Après, là, nous avons des pinces. Alors, ici, nous avons une chouette. Voilà, là, je pense que c'est un. Oui, c'est pour attacher le foulard, je crois. Un attache-foulard. Sont très, très belles. Vraiment jolies, jolies. Bah, merci à toi, Dan, pour ces beaux lots que tu nous as offerts pour nos lotos. Et à l'intérieur, voilà comment ça se présente. Voilà. C'est très, très, très joli. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos, sa chaîne YouTube. Vous irez voir et après, je pense qu'il doit être marqué sa boutique. Là. Et vous voyez, elle travaille super bien. C'est super joli. Très, très joli. Avec le petit ours. Oui. Très, très beau, Dan. Je te remercie. Ben, je t'aurais jamais dit merci autant, mais c'est un geste qui me touche énormément. Je pense que les abonnés des lotos vont être aussi très, très, très touchés de ton geste. On en mettra pour dimanche. On va en garder, oui, pour d'autres lotos. Alors, on va pas tout mettre dimanche. Et maintenant, Dan est une de mes abonnées. Hop, et elle se referme très très bien. Vous voyez? Les allonges. Allez, non, non, non. C'est très très bien fait. Très très joli. Bon, ben voilà. Ben, sur ce, ben, je voudrais remercier mes nouveaux abonnés aussi. Comme j'ai eu des nouveaux abonnés. Ben, si vous n'avez pas donné encore votre date ou ben, laissez-moi un commentaire et puis je note ça dans mon agenda et puis au moment de votre anniversaire, je vous le souhaite sur YouTube et je vous envoie votre stylet customisé de bah, par moi-même. Et dès que j'ai votre adresse, je vous l'envoie. Mais en ce moment, tout le monde me demande, parce que j'en ai envoyé, tout le monde me demande si j'ai envoyé et il y a des lots de loto aussi que j'ai envoyé et ils n'ont toujours pas reçu. Alors je ne sais pas ce qui se passe à la poste chez nous, mais ça n'avance pas. Mais ça a été envoyé, vos lots. Vous inquiétez pas, tout a été envoyé. Voilà. Bon, bah, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et à bientôt. Bisous, bisous.